nous avons fait 26 dialogues soi-disant intertogolais ici. Ça n'a rien donné. Nous en sommes au 27e. Je crois que l'opposition a eu raison d'avoir accepté d'y aller, parce qu'autrement, on l'aurait accusé de tous les maux du monde. Seulement, nous commençons, peut-être, je ne le souhaite pas, à voir que ce 27e dialogue aussi va être une tromperie du peuple congolais. C'est ça. Mais ne perdons pas encore le courage, ne perdons pas l'espoir. Attends, continuons à nous battre. Et puis on va voir ce que le facilitateur et toute la fameuse communauté internationale va faire pour nous sortir, nous aider à sortir de ce cancer qui est en train de ronger le peuple congolais depuis le 13 janvier 1963. C'est ça. Quand j'étais tout gamin, pour aller à Accra, quand on arrivait à la Volta, le village là-bas s'appelait Saint-Dié. Pour traverser ce fleuve, beaucoup de gens qui laissaient leur peau. D'où le proverbe Mibado Saint-Diabo. C'est ça. On verra bien. Hein? Et personnellement, j'espère, le peuple togolais n'est pas un peuple de masochistes. Vous savez ce que signifie masochiste? Quelqu'un vient vous saisir vos testicules. Vous savez que ça fait mal, les testicules. Il torture vos testicules. Au lieu de crier pour qu'on vienne à votre secours, vous dites oh! Il est vivant, il est immunité, c'est ça un masochiste. Le peuple togolais n'est pas un peuple de masochiste. Leur domination finira, comme toutes les dominations qui s'étaient finissent bien un jour. Et voilà. Monsieur Godwin Tété, qu'est-ce qui gêne les autorités togolaises aujourd'hui à interdire les manifestations politiques? Non, mais tout simplement parce que ça les gêne. Ça les gêne, ils veulent rester au pouvoir. Ils ont goûté à quelque chose, ils ne veulent plus. Sans passer. C'est tout. C'est pour pouvoir garder le pouvoir. N'est-ce pas? Quand nous marchons, ça les gêne. Quand nous sommes tranquilles, ben, ils font leur business. N'est-ce pas? Ils achètent les consciences, ils posent les pions à droite, les jalons ici et là, pour que demain on va vous appeler aux élections. Vous dites, mais tant pis pour les absents, tant pis pour les canards boiteux. Hein? Vous y allez, le peuple va voter pour vous. Ils vont dire, non, c'est eux qui ont gagné. Vous branchez, on largue les troupes de soi-disant FAT et leurs milices sur vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'aujourd'hui les discussions ont des avancées? Est-ce que les discussions, oui, ont des avancées aujourd'hui? Ben, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. On a l'air que rien n'est. Sauf quelques gars qu'on a libérés à droite et à gauche, des innocents d'ailleurs. À part ça, on ne voit pas grand-chose. C'est ça. Okay, je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites.